Bon, salut tout le monde, bienvenue pour le 10e épisode d'Assassin's Creed Odyssey. On va commencer par payer les primes pour éviter de trop galérer à faire la suite parce que là, dans l'épisode précédent, on a fait trop de bêtises. J'ai fait trop de bêtises, pardon, je suis le seul responsable. Voilà, 563, voilà, je paye, c'est bon, il n'y a plus de mercenaires qui me cherchent. Et du coup, je peux revenir au fort Guéraneia pour d'une part finir la zone. Et d'autre part, il n'y a pas de voyage rapide. Voyage rapide vers l'Adrestia, super. Donc d'une part pour finir la zone, et d'autre part pour aller chercher un, pour l'instant, ce qu'on pense être un traître spartiate, puisqu'apparemment il a volé des plans, il a volé des cartes à son chef. Et on suppose pour l'instant que c'est un spartiate. On n'est pas sûr. On suppose aussi, il y a deux hypothèses, soit c'est un espion athénien, soit c'est un traître spartiate. Et la dernière fois, je vous avoue que j'ai un petit peu répondu au pif, bon voilà. Ok, non, non, calme-toi, Barnabas. Donc je vais me rendre au fort en essayant d'être discret cette fois, parce que purée, qu'est-ce que j'ai été mauvais la dernière fois, oh là là. C'est terrible de faire des épisodes pareils. En même temps, c'est pas mal, hein. Ça montre que si on fait n'importe quoi, c'est puni. Et en plus, hein, je joue quand même au niveau, pas au niveau difficile, en plus, je joue au niveau normal. En tout cas, l'équivalent du niveau normal. Alors que dans Origins, je jouais en difficile. Et je faisais aussi n'importe quoi, hein, évidemment. Mais je pense que j'étais pas forcément puni aussi sévèrement par le jeu. Quand vous avez plein de mercenaires sur le dos, c'est absolument atroce, hein. Incroyable. Soyons un peu sérieux. Mais en fait, tout a commencé avec le fameux passage souterrain. Hein. Moi, je pensais que. Donc, c'est un mercenaire qui ne me cherche pas. Ouais. Normalement, avoir un passage souterrain, c'est un avantage. Sauf qu'il y avait un mec qui avait décidé de d'uriner à ce moment-là. Du coup, il était là. Et puis, bah, forcément, il nous a vus très très vite. Du coup, est-ce que c'est une bonne idée? En fait, si jamais il est encore là, bah, je suis obligé d'attendre qu'il ait fini. Ce qui ne sera pas compliqué à voir, hein. Il suffit juste de voir l'absence de cascade. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discrète. Ah ouais, soyons discrètes. Soyons discrètes, n'est-ce pas, ma chère Cassandra? C'est bon. Pas d'envie pressante pour qui que ce soit. Nous pouvons escalader. Cette fois-ci sans craindre de se faire repérer. Prudence, prudence. Ah, il y a encore les cadavres. Ils ont même pas nettoyé. C'est pas très prudent, ça, messieurs. Pas très hygiénique en plus. Tiens, il y a vraiment un truc. Encore un ravitaillement de guerre, c'est bizarre. Donc il me manque 3 coffres quand même, c'est énorme. Il y en a un qui est à 34 mètres, est-ce que je peux le récupérer facilement? J'ai peut-être pas repéré tous les ennemis. Peut-être que je devrais essayer de le faire. Ouais, j'ai tellement mis le bazar la dernière fois que. Là je peux quasiment avancer sans problème. On voit rien, c'est horrible. Bah alors? Cassandra qui met du temps à réagir. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est encore un truc à brûler, mais je l'avais déjà brûlé moi. Oh, purée, du bois d'olivier et du fer. Hop. Ouais, je l'avais déjà brûlé ça avant. Yeah, feu et décombre, terminé. Donc c'était là aussi que je devais le faire? Ok. Bon, ça n'avance pas plus dans ma quête actuelle. Une quête personnelle, va-t-on dire. Qui est de piller les richesses de la zone. Et je pique leurs flèches aussi. Ah non, c'est du fer et du bois d'olivier, pardon. Alors, il y a un coffre là-bas. Attention au mec qui est là. Il est de l'autre côté de la porte. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je me suis méfié un peu pour rien. Quoique non, le dernier coffre, je vais le récupérer en dernier, en partant.
Donc il m'en reste deux, c'est ça? Il m'en reste deux, exactement. Donc il y a le polémarque qui est là. Et il manque un dernier coffre. Il n'y a plus personne, ça sert vraiment à rien de saboter le feu d'alarme. Ok, donc il est là-bas. Super. En fait, il n'y a plus personne dans ce camp. J'ai mis le bazar, il y a eu une alerte. Il y a eu plein de mercenaires qui sont venus. Et en fait, vu que tous les mercenaires sont partis, et ben... Yes! Donc première attaque pour moi. Mince. C'était une esquive très mauvaise. Oh là là. Une parade très mauvaise là aussi. Non mais je suis mauvais hein. Attaque circulaire, attention Kev, fais pas de bêtises. Voilà, magnifique. J'ai pu porter un coup assez important. Oh, magnifique parade. Enfin esquive je veux dire. Attention. Ton bouclier, tu vas le lâcher. Voilà. J'adore cette animation. Voilà, magnifique. Dès qu'il a plus de bouclier, c'est bon. Il est plus pénible du tout. Mince, mais à niveau parade, je suis tellement mauvais. C'est horrible. Voilà, c'est mieux. Voilà. Oh, ça lui fait bien mal. Hein. C'est bizarre, tiens. Hop là. Allez, vas-y. Oh là 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 là, ces esquives. Oh, cette esquive. Oh, dommage. C'était tellement bien parti. Magnifique. Et j'ai failli mourir en plus. Voilà. La puissance spartiate, la puissance nationale d'Athènes est moins importante. C'est la puissance, athénienne qui a été affaiblie, pas la spartiate. Oui, je me bats quand même pour Sparte. Hein. À moi le trésor. Super. On va repartir dans l'autre sens. On peut se balader à peu près normalement. Je récupère juste rien du tout. Parce qu'il n'y a rien à récupérer. Oups, on remonte. Voilà, super. Voilà. On va laisser le bonhomme faire son ménage. Bon courage d'ailleurs parce que t'es tout seul. Et voilà. Eh ben c'était bien galère. Alors maintenant, yeah, niveau 9, ça fait du bien. Alors j'ai vu que j'ai récupéré des bottes de mercenaires. On va voir à quoi elles ressemblent. Donc ça, ce sont des chaussures athéniennes. Ce sont des bottes en bronze, autant pour moi. Ah non, j'ai récupéré les deux, au cours de ma mésaventure. J'aime bien les chaussures athéniennes quand même. Mais c'est vrai que ça fait plus protégé là. Tout ce qui est bottes en bronze et bottes de mercenaires. Mais bon, il y a plus de bonus sur les chaussures athéniennes. Après, encore une fois, je peux changer l'apparence de mes chaussures. Si j'ai besoin. Et si j'ai envie aussi. Mais bon. Alors, niveau aptitude. Hop. Est-ce que j'ai envie d'améliorer une des aptitudes? Non, je peux pas. C'est vrai que je peux pas. Dans ce cas-là, est-ce que je peux... Sixième sens, pardon. Si l'ennemi vous aperçoit, le temps se ralentit jusqu'à 5 secondes. Ça peut être intéressant. Vous le savez, ma discrétion n'est... Enfin, mes compétences de discrétion ne sont pas géniales. Donc ça, c'est c'est une aptitude passive, j'ai l'impression. Si l'ennemi vous aperçoit, le temps se ralentit. Et donc je peux sortir l'arc instantanément pour le viser. Ça c'est cool. J'ai un autre point cela dit, mais je vais le garder de côté. Nouvelle gravure, 5% de dégâts de dégâts de tir à la tête. Ok. Ok. Alors, du coup, le fameux voleur. C'est le voleur. Récupérer la tablette auprès du voleur. Ok.
Ah, c'était un espion, c'était pas un traître. Bon, dans tous les cas, il a commis le même crime. Il doit donc mourir. Et là, mon gaillard, tes potes vont tous mourir à côté de toi. À l'abri, c'est trop tard. Allez, à l'aveugle. Ou attendez. Peut-être qu'il fallait pas le tuer. Il est prisonnier. Non, le chien ne m'attaque pas. Je te l'avais dit. Vilain chien. Élimination d'animal, mais je... Mais. Oh, il m'a attaqué. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai failli exécuter un spartiate qui avait été fait prisonnier. Tout va bien. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Je suis celle qui va rapporter la tablette que tu as volée. Ah non, d'accord, c'est quand même un Athénien, mais d'accord. Pourquoi l'as-tu volée? Pourquoi as-tu volé cette tablette? On m'a payé pour le faire. Qui t'a payé? Un mercenaire, Hyrcanos. Il m'a donné un uniforme spartiate et m'a dit où chercher. Un travail facile. Comment es-tu entré dans le camp? Les Spartiates ne soupçonnent jamais les leurs. Ils sont trop occupés à nous mépriser, Malakès. Donne-la-moi. Je ne partirai pas sans elle. À la guerre, il n'y a pas de vainqueur. Mais il y a des occasions. On pourrait peut-être s'arranger. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis à fond pour les Spartiates? Ou est-ce que je joue un petit peu sur les deux tableaux histoire de m'enrichir? Parce qu'après tout, lui, il était payé pour le faire, moi je suis payé pour amener la tablette. Ouais, ça dépend combien tu me donnes aussi, hein. Parce qu'honnêtement, pour l'instant, j'ai pas vraiment de raison de prendre. De prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Donc c'est très compliqué comme décision en fait. Si je l'avais tué par accident, ça aurait, enfin par accident, un peu exprès quand même, je me serais épargné ce gros dilemme. Bon, tu me proposes combien? À quelle sorte d'arrangement penses-tu? Tiens, prends la tablette. Et ça, pour ta peine. Personne ne sait qui je suis. Inutile de faire une autre victime. Pars, mais que je ne te revoie jamais. Je dois rapporter cette tablette au commandant. D'accord, il me paye pour pas que je le tue. Ah, c'est pas mal. Non, mais j'aime bien le principe. Hop, voilà. Ah, du cuir souple et une flèche, quoi. Enfin, ma flèche, quoi. Deux unités de cuir souple, ça peut être intéressant pour les fabrications. Qu'est-ce qui se passe? Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais qui êtes-vous, messieurs? Oh, toi, avec ton bouclier. Voilà, boum. Mais wait. Comment ils sont venus ici, eux? Olé. Ton bouclier, tu le lâches. Yeah, super, dans le dos en plus. Super. Alors. Hop. Et toi. Flèche dans la tête et flèche. Mal tiré. Voilà, ça c'est mieux. Ah. Voilà. Super. Donc c'est pas mal. Moi je me suis fait de l'argent. Voilà. Il m'a dit ok, c'est bon, tu me dénonces pas, je te file de la tablette. Voilà. De toute façon, moi j'étais payé pour récupérer la tablette. Hein.
Après, il m'a dit, fais payer ce traître, blablabla. Je vais lui dire qu'il est mort, hein, évidemment. Je veux pas de problème. Ou qu'il a réussi à s'enfuir, je sais pas. Mais si je lui dis ça, il va peut-être refuser de me payer. Ouais, il a pas besoin de savoir qu'il s'est enfui, voilà. De toute façon, les Spartiates, je les aime pas trop, hein. Ça va. Vous dormiez tous autant que vous êtes. Alors, tu as trouvé le traître ? Ce n'est pas des traîtres que tu dois t'inquiéter. C'était un espion travaillant pour le mercenaire Hyrcanos. Hyrcanos. Combien de fois vais-je entendre ce nom ? Ses mains doivent déborder d'or athénien aujourd'hui. As-tu la tablette ? Hey ! Il m'a pas demandé s'il était mort. Super. Super. Le tableau d'affichage, ouais, je l'ai déjà vu. Alors du coup, j'ai quand même avancé avec mon histoire là de boulot pour Stentor. J'ai d'autres mercenaires à examiner. Alors du coup, on a plein de mercenaires. Donc. Ok. Ah oui, d'accord. On avait des mercenaires qui étaient un petit peu costauds, qui nous pourchassaient. Donc effectivement, c'était un peu chaud. En niveau mercenaire, bon, il y a Cassandra qui est là, d'accord. C'est vrai que c'est une mercenaire, elle aussi. ne l'oublions pas. Ekemos, l'ivrogne chanceux, très bien. Fautina, la grotesque, elle a bien failli nous avoir. Ses points faibles... Augmentation des dégâts dus au corps à corps, très bien. Et les dégâts à la laisse de marbre, ça veut donc dire qu'on peut pas la couper dans ses actions. D'accord. Philolaos, l'exubérant. Point fort, il est inifuge. Point faible, mort venu du ciel, d'accord. Et donc l'autre. L'ivrogne chanceux. Il n'y a que des points forts. Oh là là, par contre, au niveau butin, c'est intéressant. Réduction des dégâts dus aux assassinats. Ok. Et réduction des dégâts dus au poison. Waouh. Mais ils sont chauds, hein, ces mercenaires. Bon, disais-je. Les quêtes. Niveau 4 principal. Tout ce qu'on a à faire, c'est tuer des soldats atteignant Mégaris. C'est tout. Ouais, donc c'est bien. On a fait déjà une bonne partie du boulot. Peut-être qu'on peut terminer tous les objectifs de campement de brigands. Oui, donc ça, c'est un truc à long terme. Ça, c'est un truc un petit peu partout dans le monde. Prime sur les brigands, tout ça. Tuer les brigands. Ok, 434 mètres. On va tuer des brigands. Allez, hop. On va se faire un petit peu d'argent et d'expérience. Parce qu'on en a grandement besoin. Ah, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Mince. Ok, ça c'est quoi par contre? J'avoue que j'ai pas trop examiné la chose. Qui es-tu? Kéré, l'ami. Une mercenaire pourrait être utile? Toi, tu navigues avec Barnabas à bord de l'Adrestia. Comment le sais-tu, étranger? J'ai navigué avec lui, moi aussi. Jusqu'à ce qu'un pirate m'enfonce une lame dans le dos. Maintenant, j'ai du mal à me tenir droit. C'est toi qui m'as remplacé. Désolé pour ta blessure. Je ne savais pas que j'avais pris la place de quelqu'un. Le pire, c'est que j'ai toujours rêvé de naviguer avec mon fils. Ah. Mais avec cette infirmité, je ne pourrais même pas acheter une coque de noix. Donc tu voudrais que je te donne de l'argent? Oui, tout l'argent que tu donneras sera utile. Ah, il est sympa, je l'aime bien. Très bien, voilà. En plus, il ne demandait pas grand-chose, hein, franchement. Et puis voilà, l'homme ne peut plus travailler correctement, c'est un petit peu normal qu'on lui vienne en aide. Après tout, là, je viens de percevoir une forte somme d'argent grâce à tous mes exploits récents, donc bon, ça va, on peut partager un peu, quoi. Mais solidaire, c'est un pote de Barnabas, quand même. Oh tiens, parfait ça, c'est parfait pour traverser. Yay! Allez Cassandra! Let's go! Ah bah ça va être rapide.
tuons des brigands. Et après, on ira tuer quelques Athéniens et j'irai faire mon rapport au petit frère, Stentor. Voilà, on ralentit. Et on descend. Alors, Icaros. Montre-moi. Ok, donc ça a l'air d'être un petit camp avec quand même pas mal de brigands. Donc ils sont 6. Alors, comment on va gérer ça? Ça peut être très compliqué quand même. Ils vont se montrer très vigilants. Passe par-dessus. Mince, j'ai pas planqué le cadavre. Il est pas caché là, si. Est-ce qu'il y a encore des chiens aussi ou Ah, il y a des chiens. Il y a un chien. D'ailleurs, il regarde ses maîtres dormir. Comment je vais gérer ça? T'as entendu le chef? Tu crois qu'on devrait oublier cette maison? Elle n'est pas si bien gardée que ça, pas vrai? Mince. Maudit chien. Désolé le chien. Tu es un ennemi comme les autres. Voilà madame. Super. Oh, pas mal d'expérience n'empêche. Yay. Super. Donc c'était pas un campement à part entière, d'accord. Ok, bon, on va peut-être explorer un petit peu la zone, histoire de voir s'il y a des Athéniens qui traînent. Quoique non, de ce côté-là, je pense pas, non. Non, non, pas de ce côté-là. Je veux pas non plus trop m'éparpiller. Même si je pourrais, hein, mais bon. Le faire un peu, c'est pas trop gênant. Le faire beaucoup, ça commence à devenir un petit peu embêtant. Je vais retourner du côté de la forteresse, peut-être. Là, pour le coup, c'est là où se trouvent les Athéniens. Donc en tuer quelques-uns histoire de faire plaisir à Stentor. N'empêche, j'aurais fait tout ça en une nuit dans l'histoire. Et ben, tout ce sang qu'on a sur les mains. Ok. Un loup. Non, je pensais. Que j'ai réussi à esquiver, je voulais attendre le dernier moment. Oula, j'avais un peu d'avance, mais c'est surtout que le jeu a failli. Enfin, non, le jeu a frisé un petit peu. Non, pas frisé, ramé. Lagué, pardon, lagué. Je cherche mes mots, je cherche aussi mes compétences, je cherche mon savoir-faire, mon talent dans Assassin's Creed. Est-ce qu'il reste seulement des Athéniens dans ce camp? Oui! Il y en a un! Toujours le même. Le seul survivant. Bon. Apparemment, il a fait le ménage. Tant mieux. La garde sera vigilante ici. Ah non, ils sont deux. Ben voilà, c'est super. Bon, maintenant, ils sont plus qu'un. C'est quand même dommage, il manquera juste un Athénien pour finir la quête.
Après, il y en a peut-être d'autres, hein, je sais pas, je les ai peut-être pas vus. Et boum! Alors, est-ce que je te recrute? Non? Tu veux te battre? Très bien. Tu mourras comme un guerrier. Sympa ton armure. Ok. Alors, y a-t-il d'autres Athéniens dans la zone? Ça m'arrangerait beaucoup. Non, évidemment, hein. Évidemment, il en manque un. Forcément. Ah, y a peut-être quelque chose là-bas, je vais aller voir. Voilà. Le survivant n'aura pas survécu très longtemps. La mort a fini par le rattraper. Oula, attention. Je pensais pas que ça allait descendre aussi brutalement. Moi, tout ce que je veux, ce sont des Athéniens. C'est tout. Mais après, je peux aller à la capitale, non? Ce sont des Athéniens qui sont à la capitale. Parce que ça, c'est un territoire athénien, non? Parce que c'est compliqué, ces histoires de politique et tout. Sparte, Athènes... Oh là là, qu'est-ce qu'on était bien sur Kefalonia. Campement de brigands côtiers, d'accord. Bon, ce sont pas des Athéniens, ce sont des brigands, mais bon. Ça fera l'affaire, ça fait travailler. Le trésor doit être quelque part par là, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Un coffre. Ah, il y a des Athéniens, pardon, là-bas. Et il y a un trésor au fond de l'eau, ok. Bon, ils sont pas très nombreux, là, c'est cadeau, hein. Oh, j'aimerais tenter un truc. Oui, je vais faire un truc rigolo. Attention. On va lui faire une farce. Ça va le faire rire. Et boum. Ah, c'est génial. Oh, il a pas aimé. C'est dommage. Hop, hop. Olé. Oh, attention au poison. Ça t'a pas plu? Non, ça t'a pas plu. Ça te plaît toujours pas? Ouf, c'était très violent. Paix à son âme. Voilà. Et le trésor est à moi. Ainsi que l'expérience. Arc réflexe grec, pas mal. Bon, on est bientôt au bout de nos peines. On sait d'ores et déjà qu'il y a des... Athéniens un petit peu au nord, donc ça devrait pas être trop difficile de les retrouver et de les tuer. Un seul me suffit en fait, donc on verra bien si j'arrive juste à en tuer un. Après il y a un coffre là-bas, il y a quand même un truc à brûler, on verra bien. En tout cas c'est pas si simple hein, quand même leur histoire. Hein. Parce qu'on l'a vu, hein. Dès qu'on fait un truc de travers, la réputation augmente. Et dès qu'on est super dangereux, boum, des mercenaires. Des mercenaires et encore des mercenaires. Alors, un petit campement d'Athéniens. Tiens, encore un truc là-bas. Ok, oh. Ils ont l'air plutôt bien répartis. Alors après, il y a peut-être des brigands dans le passage, dans le tas, je veux dire. Ok. Ils sont bien nombreux là par contre. Franchement c'était cadeau. Hein. Ouais bon ils se sont enfuis très très vite, ce qui fait que j'ai pas pu je n'ai pas pu les enflammer. À mort!
Ah oui, c'est pas une bonne idée de lui mettre une torche dans les buissons. Ok, très bien, allez, ramenez-vous. Ça va m'entraîner. Ça fera pas de mal. Oh purée. Oh mince, je pensais qu'il allait vraiment me rater, hein. Et voilà, tous se prennent une attaque commune. Ouh là là. On se concentre. Voilà, on esquive. Oh mince. Il y a une bonne portée d'attaque lui. Oh, lui aussi. Voilà, lui, on le calme un peu. Oh là là. Oh, il est parti super loin. Le bouclier confisqué. Mais attendez, ce sont des spartiates. Non, ce sont des brigands alors, dans ce cas-là. Est-ce qu'ils ont des armures et des boucliers spartiates? Esquive. Ah mince, lui par contre, on peut pas. Ouais, super. Hop. Ah, j'ai pas réussi à le repousser au loin. Mince. Hop. Mince, pas de parade, une attaque. Oh, attention. Non, tu vas te calmer. Voilà. Hop. Et toi, tu meurs. Oh là là. Oui, avec le coup de pied qu'il a donné, c'est sûr, c'est un spartiate. C'est bien dommage. Je suis déçu. Bon, bah, ça veut dire que je fais pas forcément de favoritisme. Je pille tout le monde. Voilà. J'ai volé un casque à cornes. Et libéré une prisonnière. Je vais pas me faire des copains. Ça veut dire que personne n'est en sûreté. On s'est dit, si j'avais su tout de suite que c'était des spartiates, je les aurais peut-être pas tués. Mais sérieux, des Athéniens dans le coin ou pas? Parce que c'est un peu pénible. Puis, qu'est-ce qu'ils font aussi proche de la forteresse athénienne? Parce que la forteresse, elle est pas loin, je dis pas de bêtises. Elle est où la forteresse? Elle est juste là? Qu'est-ce qu'ils fichaient là, les mecs? Ils sont bizarres. Allez, quand même, qu'on finisse cette histoire d'Athéniens, quoi. Sinon, j'attends, hein. J'attends près de la forteresse et j'y retourne. Il y en a un qu'il faut tuer, c'est tout. Et ça, ce sont des brigands, j'imagine. Mais ils sont où? Bon bah je sais pas ce qu'ils font mais bon. Ouais. Ah, il y en a un qui est là, d'accord. Il se fait attaquer par un loup. Merci. Mais du coup, ah bah je pense que là vu leur tenue, ce sont des Athéniens. Non? Ou des brigands, d'accord. À chaque fois je fais des suppositions hasardeuses. Un jour j'aurai forcément raison du premier coup. Hop. Oh allez, on va se battre encore un peu. Messieurs, bonjour. Ah, je pouvais l'assassiner. Ils en mettent du temps à voir que je suis arrivé. Voilà, toi tu vas te calmer avec tes flèches empoisonnées. Voilà, super. Massacré. Mince, j'ai raté mon esquive. Esquive de flèche, magnifique. Quant à toi, une, deux. Voilà, et trois. Bon, sinon, les Athéniens, ils sont où? Ça m'énerve de les chercher tout le temps là. Je vous avoue que ça me frustre un petit peu au bout d'un moment quand même. Bon, votre trésor, où est-ce qu'il est votre trésor? Je l'ai déjà pillé, mince.
Alors, bon bah allez, on va revenir du côté de la forteresse, hein, je pense. Oh, c'est pénible, hein, franchement c'est pénible. Ou sinon je vais à la capitale. Hein. Je m'embête pas. Je m'enfonce un petit peu dans les terres, je trouverai forcément des Athéniens. Léthos, l'aimé des dieux. Eh bah oui, le voilà lui. Bon allez, on va se balader un petit peu en Mégara. Ah! Je peux pas me téléporter vite fait à la ville. Avant, on pouvait se rendre à une ville sans avoir besoin d'avoir un point d'observation synchronisé. Là, c'est obligatoire. Super. Bon, bah, on y va. Temple d'Apollon. Alors, d'abord, ouais, je pense que je vais prendre un petit raccourci. Pas de déplacement rapide disponible. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, je suis dans une zone interdite. Ouais, d'accord, donc il faut que j'en sorte. Voilà, c'est bon. Et donc maintenant, je peux quand même me déplacer vers une ville. Pas du tout ? Oh mince. Oui, oui, quête à proximité, on verra. Alors, on va d'abord synchroniser le point d'observation, ce sera déjà ça de fait. Ferme de Tripodiscos. Ok. Allez. Donc il y a des choses à voir là-bas. Il y a des choses à récupérer ici. Je sais plus où. Tant pis. C'est bon. Hop, attendez, j'ai encore vu un truc. Voilà, maintenant c'est bon. Désolé pour l'agitation de la caméra. Alors, donc je dois tuer d'autres soldats athéniens. Demeure de dirigeants. Oula. Oula, oula. Il y a peut-être des choses à faire ici. Oh oui, il y a sûrement des choses à faire. Je dois rester caché. Je vais juste en tuer un, hein. C'est pas... Je suis pas là pour faire le guignol, pour tuer tout le monde. Juste un Athénien. Coucou. Voilà. Et je vais donc transmettre mon rapport à mon frangin. Dès que j'aurai synchronisé le point d'observation. Bon, du coup, l'armée est affaiblie. Pardon, le gouvernement athénien de l'île est affaibli. Il y a tellement de choses à faire ici, c'est incroyable. Et on va en finir avec cette histoire. Voilà. C'est là que se cache Léthos, l'aimé des dieux. Et c'est là qu'il mourra. Lors de cette magnifique journée ensoleillée dans cette ville. Tout aussi magnifique. Et désormais, nous pouvons aller faire notre rapport. Ah, tombe de Terré, d'accord. Donc on peut faire notre rapport. Ah, comment s'appelle-t-il déjà? Je l'ai dit tout à l'heure. Au frérot. Stentor, voilà. Pff. Moi et les noms dans les jeux vidéo, incroyable. Donc j'imagine que désormais, j'ai une autre quête qui est disponible. Le dirigeant athénien, ok. Tuer le dirigeant athénien en Mégaris. Le dirigeant est difficile à tuer, mais réduire la puissance nationale l'affaiblit. Il faudrait que je gagne un petit niveau supplémentaire. C'est conseillé. Et je pense que vu la difficulté du jeu, c'est peut-être une bonne idée pour moi d'attendre un tout petit peu, juste d'être au niveau 10... Surtout que j'y suis presque, j'imagine, hein. Je suis pas trop loin du niveau 10. Ouais, regardez, je suis pas trop loin. Une petite quête secondaire et c'est bon, hein, c'est plié. Ou deux peut-être. On verra bien. En tout cas, on va se quitter là-dessus. On se retrouve bientôt pour l'épisode 11 d'Assassin's Creed Odyssey. Salut tout le monde, à la prochaine.